Dans nos bâtiments ou dans nos maisons.
l'église locale. Nous sommes enfermés dans nos jours de réunion. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Et on ne va pas forcément voir un peu ce qui se passe à côté. Je ne parle pas forcément de la mission en Afrique ou en Haïti ou dans d'autres pays, aux États-Unis. Je parle d'abord ici en Martinique parce qu'il y a aussi beaucoup de pauvreté en Martinique. Nous rencontrons des gens ici qui n'ont pas à manger. Il y a des frères, une famille guadeloupéenne, une femme avec ses filles, ont eu à cœur de mettre en place une association pour aider les nécessiteurs. Elles sont venues à Paris, elles nous en ont parlé, on les a encouragées, on a fait deux ou trois émissions avec elles. Elles sont reparties au pays, elles ont créé une association et puis elles ont commencé à avoir des dons. D'arrêt alimentaire, de Carrefour, tout ça notamment. Et elles nous disent comment les gens sont en souffrance. Elles-mêmes, elles sont déçues de voir que leurs propres frères et sœurs, guadeloupéens, peuvent rester deux ou trois jours sans véritablement manger. Et en métropole aussi, c'est pareil. Nous avons plusieurs associations, plusieurs épiceries solidaires. Il y en a une vingtaine aujourd'hui. La première, c'est de Couronne. Elle nourrit 600 familles par mois. Vous avez de tout. Chinois, arabe, français, antilles, de tout. Africains, de tout. De tout. Musulmans, indiens, peu importe. On dit, venez, le Seigneur vous nourrit. Parce qu'il nourrit tout le monde. Voilà, venez. Dieu aide tout le monde. Et les gens sont, c'est comme ça que beaucoup se tournent vers le Seigneur. Ils sont touchés par l'amour du Seigneur, la charité. Ils se disent, mais c'est ça l'amour de Christ. On a envie, c'est ça. La pratique, la seule pratique de la chose. Et il y a tellement de besoins. Beaucoup parmi vous sont restés dans les assemblées 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et si on fait le bilan, on s'aperçoit qu'effectivement, de manière globale, que ce soit ici aux Antilles, en Afrique ou en France, aux États-Unis, en Asie, oui, nos églises, enfin les églises visibles, la plupart ont échoué. Complètement. Et ensuite, il faut vous rendre compte qu'en Martinique, il y a des besoins. Allez maintenant un peu à l'extérieur. Allez voir à l'extérieur. Vous savez, je suis allé en Afrique une fois à mission. Une femme devait me voir avec son bébé de 9 mois. Cet enfant avait 40 degrés de fièvre. Elle me dit, pasteur, prie pour mon enfant. Je lui dis, mais t'as pas d'affaires d'or, tout ça. Elle me dit, j'ai pas l'argent pour. C'était juste une fièvre simple. Hein. L'enfant mourait 9 mois. J'ai prié, Dieu m'avait donné un peu de moyens, je lui ai remis. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire, les médicaments que nous pouvons avoir facilement ici, en Afrique, les gens, il y a des pays où les gens meurent de maux de ventre, maux de tête. Alors, on reste entre nous chrétiens, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, on se fait la guerre entre nous. Dès qu'on va vouloir parler, prouver, prendre le micro pour démontrer qu'il connaît tout ça, machin, voilà. Mais après. Dès qu'on va vouloir prendre le micro pour chanter, pour prouver, dès qu'on va vouloir témoigner, pour parler. Mais en fait, on se rend compte que les chrétiens, ils sont comme un serpent qui mange sa propre queue. Et comme quelqu'un disait, les chrétiens construisent la seule armée qui achève ses blessés. C'est que les chinois, c'est possible de le mettre à côté. Pendant que le Seigneur est là, merci. Voilà, Dieu va vous bénir, merci, que Dieu soit béni. Vous voyez? Donc, on se dit, mais Seigneur, mais c'est grave! Il y a des enfants en Haïti qui mangent de l'argile. De l'argile. Ils mettent du sel dedans, ils vont cuire et ils mangent avec de l'eau sale, l'eau impropre, ils vont boire. Mais c'est impressionnant. Et nous, chrétiens, regardez, je vous dis une chose. Vous êtes une assemblée locale? Oui. Est-ce qu'en tant qu'assemblée locale, vous vous êtes déjà dit un jour, nous allons faire une offrande, nous allons payer le billet d'un frère qui est avec nous, une soeur qui est avec nous,
nous allons l'envoyer en mission dans un pays pauvre, par exemple. Après avoir aussi aidé les frères et sœurs à côté, attention. On va l'envoyer, par exemple, en Haïti. On prend l'hôtel là-bas, une semaine. Voilà. Tu as le billet, tu as l'hôtel, tu as 400 euros pour ton séjour là-bas et tu as 400 pour aller nourrir les pauvres. Vois un peu le terrain là-bas, ce qui se passe. Je vais vous dire une chose, une église locale qui n'envoie pas des missionnaires, c'est une église morte. Une église locale qui n'envoie pas des missionnaires, c'est une église que Dieu ne peut pas bénir. Je vous dis la vérité. Parce que ce qui motive une assemblée locale, c'est quoi? C'est pas seulement le fait de prier, chanter, chanter. C'est aussi le fait de dire, il y a un missionnaire qu'on a envoyé, il est revenu avec des faits, avec, n'est-ce pas, des preuves, avec des besoins. Et les besoins présentés à l'assemblée vont créer une motivation dans les cœurs. Et Dieu va libérer les finances, libérer, n'est-ce pas, ses grâces, pour permettre à ceux que ces besoins soient, n'est-ce pas, satisfaits. Et vous allez voir que l'Église va, comme, elle va à chaque fois être renouvelée. Le missionnaire qui est parti à la mission, deux missionnaires, deux qui partent à la mission, qui reviennent. Mais il faut avoir une autre vision du monde. C'est comme quelqu'un qui est resté pendant des années dans sa cage et qui croit que ce monde se limite à ça. Je ne sais pas si quelqu'un me reprend. Qui vous a dit que parce que vous avez 70 ans, vous ne pouvez pas aller en mission? Mes sœurs, regardez un peu, depuis que vous allez vous prier dans cette assemblée, est-ce que vous avez déjà dit, on va cotiser un peu, je vais aller faire un tour, ne serait-ce qu'un tour missionnaire dans ma vie, parce que nous sommes tous missionnaires. Sortez un peu, allez voir un peu, allez. Vous savez, parfois, là, quand t'as, dans la caresse, quand ça chauffe, là, on va faire un peu, on va sortir un peu, on va sortir un peu, prendre l'air. Eh bien, la mission, c'est l'Église qui prend le l'air spirituel. Qui n'a jamais été en mission? Levez les mains, s'il vous plaît. Vous en avez d'autres, beaucoup de gens ici. Vous n'avez jamais été en mission? Ça fait combien d'années que tu es converti, ma soeur? 10 ans. Jésus-Christ a, quand il a envoyé les apôtres en mission, ils avaient combien d'années de conversion? 0. Hein? Il dit c'est vrai, c'est haut. Ben oui, c'est ça. Dire que vrai, nous sommes morts. Dire que vrai, nous sommes des cadavres. Dire encore le constat est amer. Alors, voyez pourquoi vous vous battez dans vos assemblées. Oh, moi je suis apôtre. Oh, moi je suis prophète. Et deux ou trois idolâtres s'accrochent au prophète et ils bougent avec le prophète. Il tue le prophète et il n'y a plus rien après. Il est 30, il reste une heure. Oh Seigneur, sauve-nous. À Paris, on est parti à Côte d'Ivoire. Vous avez combien de missionnaires de Paris avec nous? 27. Hein? 40, plus de 40 de Paris, hein? De Paris, qui sont venus partir avec nous depuis la France. Hein? 27. Ah bon, plus de 40? De l'Europe? De l'Europe. Ouais, l'Europe, oui. L'Europe, plus de 40. Et d'autres frères qui sont venus de plusieurs pays, il y en avait plus de 70, hein? Qui sont venus de plusieurs pays, plus de 100 de plusieurs pays africains. Mais je vous assure, quand les gens rentrent, ils changent de vision. Regardez, qui sont ceux et celles qui n'ont jamais été voir les prisonniers ici? Levez les mains, parmi les chrétiens. Dis à ton voisin, nous sommes morts. Frère, vous vous rendez compte? Jésus dit, souvenez-vous les prisonniers. Mais vous, dans vos églises, nous, et nous tous, parce que moi, je suis concerné aussi. Donc, je vais tous nous mettre ensemble. Pas que les gens se disent, on est condamné, lui il est parfait. Non. Vous vous rendez compte que nous, nous faisons la guerre entre nous. Vous voyez? T'as vu comment elle s'est habillée aujourd'hui?
t'as vu comment, un tel machin, tout ça, t'as vu tout ça. Mais les prisonniers, on en fait quoi? C'est un ordre. Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez vous-même prisonnier avec eux. Mais vous prenez compte, vous faites des offrandes. Là, on a pas mal de sous là. Et merci Seigneur, merci à vous tous pour votre compréhension. On a aidé les frères et sœurs. Une partie, on va voir peut-être 150, on va prendre des choses pour aller déposer aux prisonniers peut-être lundi. Tout ça, le reste, pour les fous et les drogués. Mais vous vous rendez compte, en tant qu'église, il n'y avait pas une sortie en prison. Amen. Mais vous faites quoi? Tous ces versets bibliques là, dans vos crânes là, vous leur faites quoi? Toute cette excitation, vous faites quoi? Vous jouez un rôle. Vous êtes comme dans un théâtre. Théâtre, vous êtes ensemble dans un théâtre. Nous sommes allés voir les prisonniers une fois à Martinique. Je pense que c'est Martinique ici. Mais il fallait voir les deux autres. C'était à Ducos, je ne me trompe pas. Il fallait voir les besoins. Mais ce sont vos frères et sœurs. Ce sont vos enfants. Vous vous rendez compte à quel point on a négligé l'amour? Deux commandements sont les plus importants. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta pensée, et ton prochain homme, toi-même. Oh Seigneur, sauve-nous. Mais par contre, non, le commandement du Seigneur, les deux commandements les plus importants, on n'en veut pas. Ce que beaucoup veulent, c'est quoi? Être plus proche de Chora. Chora arrive, alors il faut s'apprêter pour être vu. Le problème, c'est que Chora, ce n'est pas pour se sauver. Lui, il ne va pas t'entraîner au ciel. Hein. Chacun dans l'homme n'en veut pas. Hein. Chacun va partir. Hein. De son côté, tac, tac, tout le monde part. Ah. Qui se rend compte que nous avons vraiment des problèmes? C'est ça. Vous avez vu? Des séminaires. Combien de fois vous avez été dans les séminaires ici? Séminaires de formation. Il y en a même qui ont payé. Séminaire prophétique, l'essence c'est des clés pour être un homme puissant, pour être champion. Les sept clés du ciel. Et vous avez tellement de trousseaux spirituels que ça commence à peser. On a eu un peu de quoi parler avec parce que c'est lourd. C'est devenu, on est tellement alourdi par ces trousseaux des clés différentes clés. Que maintenant pour aller voir les SDF, c'est compliqué, aller voir les prisonniers, c'est compliqué, aller voir. C'est. Donc du coup, ben, on est entre nous. Et puis quand ce message vient, il y en a qui disent non, moi ça va, ça va. Ça va, ça va, il n'y a pas de problème, mais tout va bien chez moi. Et c'est comme ça que les gens vont aller en fait. Frère, c'est grave. Je n'aime pas l'avion. Je vous assure. J'ai peur de l'avion. Prédicateur ou pas, je fais un homme avec des défauts, des faiblesses. Quand je monte à l'avion, là, je prie. Je dis, Seigneur, je te soumets l'avion. Je te soumets les lèvres qu'on fait. Qu'est-ce qui lui arrive? Je dis, Seigneur, je te soumets ce monsieur, tout ça, les deux pilotes, tout ça, les deux cartes, tout ça, l'avion, on va tomber, tout ça. Quand on rentre dans une zone de turbulence, je tiens le ciel vraiment comme ça. Je suis en prière. Je vais demander mon gars de parler pour qu'il me rachète. Ça va aller, monsieur, ça va aller. Ça va aller, ça va aller. Vous ne pouvez pas faire honte à mon Dieu. Mais il y a mon cœur là. Boum, 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 boum. Hein? On m'a dit qu'il fallait à Saint-Martin. Je lui ai dit, on va pas le truc pour vous avec les hélices là. Oui. Je lui ai dit, mais j'ai l'impression que les hélices là, ça va quitter leur emplacement. Ça va tailler à la carotte. Tout ça, je lui ai dit, non, 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 je. Mais quand même, les frères ont dit, non, quand on t'a parlé, vous allez nous parler, Seigneur. On est monté dedans avec un frère là-bas. Le frère est pas à l'école, mais j'étais comme ça là. Hein? Tout ça pourquoi? Parce qu'il faut aller en mission. Et vous êtes confortablement assis. 15 ans, tu ne bouges plus chez toi. 15 ans. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes réveillés. Amen. Nous sommes réformés. Amen. Alors, tu es mort. Oui. Tu es un cadavre. Oui. Tu
suis le mort, oui, je suis un cadavre. Vous ne parlez pas? Alléluia! Amen. L'image que j'ai des chrétiens, beaucoup de chrétiens ici, c'est quoi? C'est qu'ils sont avec leur GPS spirituel. Ils ont toutes les informations. Ah, c'est le prophète à tel qui arrive. Calendrier, et t'es la pauvre. Ils sont aux athées. En fait, c'est comme si vous mangez fruit à pain. Le fruit à pain, j'aime bien le fruit à pain. Et là, vous mangez. Colombo, mais vous n'allez jamais au petit coin. Imaginez cet homme-là qui mange depuis 20 ans. Le ventre est comme ça. Il va jamais évacuer. Mais c'est comme ça que vous êtes au bouton. Ils sont le plus gras. Vous voulez que je parle encore, frère et soeur? Non, vous ne vous inquiétez pas, je ne suis que personne. Je parle de la globale. Si tu sens que la colère commence à monter à toi, ah, c'est que tu es concerné. Alors il faut que tu partir. Qui veut se repenser? Je prends l'avion malgré moi. Jérémie est là, combien de fois je dis à Jérémie, quoi, Jérémie, je crois que nous attire, je vais annuler. Il dit non, je trouve des raisons, je dis, mais tu vois les billets trop cher, tout ça. Quand on entend ce père ici, attachez-vous, tu retrouves le Seigneur de vie. Seigneur, tu sais, c'est à cause de toi que je prends la mission. Seigneur, tu sais, tu m'as promis des choses qui ne sont pas encore réalisées. Je ne veux pas mourir. T'inquiète, on ne va pas mourir. Mes enfants sont encore petits, Seigneur, s'il te plaît, dans ce cas. Quand on atterrit dans le Seigneur, merci. Dans le cas, ça atterrit seulement de la scène, tu enlèves la scène partie, je vais sortir du même par fenêtre, voilà, on lui bloque. Parce que c'est compliqué. 8 heures là-dedans, 8 heures. Voilà, d'accord. Mais il faut bouger, quoi. Il faut aimer son prochain, c'est par amour. Par amour. On est parti, on a fait près de. On a fait. Oh non, Seigneur, sauve-nous. La mission là. 20 heures de vol. Jusqu'à Tahiti là-bas. Fallait voir, frère. On arrive là-bas, les frères, merci Seigneur aux frères et sœurs de Tahiti. La nuit, il y a des nuits comme ça, la frère. On a dormi avec de l'eau de coco. Et puis de repas. Nous, coca. J'ai 3 verres. David en a vu 2, je crois. 3. La mission. Parce qu'il faut aimer son prochain. Il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui sont violés. Il y a des gens qui pleurent. Il y a des gens qui ne savent pas comment faire pour arrêter la cigarette. Il y a des enfants, quand ils nous voient en mission dans les pays pauvres, ils pleurent. Une jeune fille de 8 ans, un jour, elle veut me voir et me dit merci. Merci Seigneur. Parce que mes parents sont décédés. Et une de mes tantes se servait de moi comme son esclave. 8 ans. Allez dans les pays pauvres, vous allez voir des enfants de 3 ans qui ont des, n'est-ce pas, de pistes de valves, hein, de pitons sur la tête. Ils font parfois 10 km pour aller puiser de l'eau. 3 ans. 2 ans, vous allez les voir. Ils se fatiguent, ils posent, ils respirent un peu. 2 ans, vous avez les enfants, les enfants. Un enfant est venu me voir, ce sont des orphelins qu'on a accueillis. Vous savez, ses parents sont morts du sida. Et cet enfant reste avec sa grand-mère qui avait 95 ans. Cette dame était aveugle. Et cet enfant mourait. Parce qu'il n'y a pas de médicaments. Ils ont dit merci parce que vous, ma soeur et moi, vous nous avez accueillis dans votre orphelinat. On en a au Congo, on en a en Côte d'Ivoire, on en a au Gabon, on en a au Gabon. En Côte d'Ivoire, on soutient les handicapés. Allez voir les handicapés, des gens qui n'ont. C'est grave. Il y a plus fort, c'est que ça, vous sortez, s'il vous plaît. Bougez. Le sable, en plein soleil, il y a du sable partout. Et ils n'ont pas de vélo, ils n'ont pas de. Il n'y a rien. Et ils sont obligés de les jambes cassées. Hein. Toutes fines comme ça, pour te casser, pour te déformer, et ça marche avec les bras comme ça, en plein soleil, sans brûlant.
On est parti avec des frères et soeurs de Tahiti, ils ont pleuré, ils ont dit non, c'est pas possible. Ils ont dit on a été délivrés, nous sommes trop orgueilleux, trop gâtés dans notre église, en train de nous faire adhérer entre nous, tout ça, machin. Là, c'est pas possible. Seigneur, sauve-nous. Ce que là, vous le voyez, elle est partout, encore plus, elle est partout, partout, Dieu nous envoie, avec le peu que Dieu nous donne, dit, cotisons, aidons, les frères et sœurs. On envoie beaucoup, beaucoup d'argent ciel partout, 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 les soutiens. Bon, on essaie de faire ce que l'on peut. Parce que l'amour, c'est pas seulement dire je t'aime. L'amour, c'est de dire frères et sœurs, qu'est-ce qu'on peut faire? Ceux qui veulent avancer, on les aime. Ceux qui ne sont pas du Seigneur, là, c'est autre chose. Quand le Seigneur va revenir, il va nous dire, qu'est-ce que vous faites pour moi? Moi, j'ai tout fait pour vous. J'ai versé mon sang, j'ai donné ma vie, je vous ai sauvé, je vous ai tout donné, je dis tout est accompli, car vous faites. Oh Seigneur, mais tu sais, moi j'étais tellement préoccupé au service, j'étais tellement au service de mon bishop que j'ai pas eu le temps de m'occuper des autres. Ah bon? Ton bishop, t'as pas vu que t'es déjà milliardaire? T'as pas vu que t'es déjà millionnaire, ton bishop? T'as pas vu que t'as déjà amassé? Qu'as-tu fait pour moi? Oui, tu as fait pour ton pasteur, tu as fait pour ton église, mais pour moi, qu'as-tu fait? Voir les surpris. Ton prochain. Et très souvent, ce sont. Vous savez pourquoi la France est en train de devenir. Elle est déjà devenue musulmane. Vous savez pourquoi? Parce que les salafistes, hein, cette branche de l'islam, ce sont les vrais musulmans, les salafistes. Très, très sévères, très, très durs. Et ce sont eux qui vont dans les cités en France, en métropole, et ils vont donner de la nourriture aux gens, aux pauvres. Ils vont faire du social. Et beaucoup de familles vont se convertir comme ça. Beaucoup. Et c'est l'Église qui doit faire ça. Mais les chrétiens, tu vois ce qu'ils font les pasteurs? Non, ils sont préoccupés à être dans leur costard et cravate. Ils sont préoccupés à être dans leur gros 4x4. Ils sont préoccupés à être dans la première classe, dans les hôtels 5 étoiles pour avoir son faisait des révélations. Ils sont préoccupés à manger dans les restaurants 3-4 étoiles. Ils n'ont pas le temps d'aller parler aux pauvres, comme le Seigneur peut parler aux pauvres. Ils n'ont pas le temps d'aller voir les gens qui ont des besoins pour leur montrer l'amour véritable. Non, ils n'ont pas le temps pour ça. Allez prier les malades dans les hôpitaux. Non, allez dans les hôpitaux, vous allez voir. Faites un tour, vous allez les hôpitaux ici. Faites un tour, vous allez voir les malades. Vous avez des enfants qui ont le cancer, des cancers généralisés. Ils sont là en train de perfuser, ils pleurent, ils souffrent, ils saignent. Et ils demandent parfois, mais les chrétiens sont où? Ah, mais les chrétiens sont préoccupés, le dimanche ils sont occupés à l'église. Bâtiment, le lundi ils sont préoccupés pour. Ils ont la chorale, la réponse de chorale. Mardi ils sont préoccupés parce que c'est la réunion de femmes. Mercredi ils sont préoccupés parce que c'est la réunion des hommes. Jeudi ils sont préoccupés parce que c'est la réunion de la jeunesse. Vendredi, oh non, ils ont la veille prophétique. Vous voyez? Samedi, oh non, ils n'ont pas le temps parce que c'est une action de grâce. Eh bien, tous les jours de la semaine ils sont pris. Voilà. Prison. Et maintenant, c'est le jour férié, maintenant ils ont une retraite de prière, donc ils s'enferment là-dedans, ils vont faire 21 jours de jeûne, vous voyez, vous comprenez le jeûne de Daniel? Vous comprenez? Bien aimé, n'aimez pas en parole, mais en action. Ma soeur, alléluia, gloire à Dieu. Combien de gens. Il y a combien d'épiceries aujourd'hui, mon frère Raphaël? Il y a. Qu'est-ce que vous faites à Coco-Corona? À part nourrir les gens, vous faites à manger sur place pour leur donner. Il y a des maraudes, on va les voir, avec le minibus. Tout à fait. D'accord. Et il y a aussi la familiarisation, non? La familiarisation, on a deux professeurs qui. Vous avez des professeurs qui. Oui, pour les enfants, pour des moins jeunes et pour jusqu'au bac. Jusqu'au bac. Oui. Donc on donne des cours pour ça. Tout à fait. Il y a aussi des frères et sœurs qui sont juristes qui viennent et qui peuvent donner des conseils aux gens. Tout à fait. Voilà. Pour les CV, pour les. Les aider pour motiver, pour les motivations, tout à fait. Voilà. Voilà un des rôles de l'église que beaucoup d'enfants ont négligé. Parmi vous, il y a des gens, parmi les chrétiens, il y a des gens qui sont avocats, des juristes, il y a des gens qui sont calés en administration, qui sont professeurs, qui sont. Mais tous ces talents, on en fait quoi? Vous voyez? Qu'est-ce qu'on fait de tous ces talents que Dieu nous a donnés? Mais c'est aussi. L'Église doit avoir. Nous
Nous devons nous organiser pour recevoir d'autres chrétiens qui sont dans les besoins, hein, pour les orienter, les aider administrativement, et les jeunes qui sont, n'est-ce pas, en échec scolaire, les aider avec des cours de maths, français, tout ça, parce que s'ils réussissent les études, ben, ils peuvent aussi aller pour aider les autres. Mais non, au contraire, on dit, vous comprenez, il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas, tout va bien, nous, c'est prière, on chasse les démons, ça s'arrête là, donnez vos offrandes, et puis hop, c'est fini. On est parti en mission en Côte d'Ivoire un jour, un frère, un homme, un jeune homme, 23 ans à peu près, venu nous voir, 18 ans. Il avait reçu, il avait dans son bras gauche, de bout de fer, bout de, comment, verre. À l'intérieur, quelqu'un, l'avait blessé avec une bouteille, plein de bouts de verre, tout ça à l'intérieur, et ça pourrissait. Il est venu nous voir et nous dit, mais je dois suivre une opération, mais je n'ai pas l'argent. Son bras brisé. On fait quoi? On va faire l'onction de l'huile, seulement il dit, non, c'est bon, c'est tu qui pars. Mais ben non. On a cotisé, on lui donne l'argent, il est allé faire soigner, opérer. Gloire à Dieu, son bras a été récupéré. C'est ça, l'amour. On peut jeûner du matin au soir, on peut faire des miracles, on peut commencer des églises comme vous voulez faire des églises, là, vous pouvez vous être grand à cause des prophètes, c'est bien tout ça. Mais beaucoup, ceux qui vont nous dépenser au ciel, ce sont des gens qui ne sont pas forcément connus, qui n'ont jamais été pasteurs, prophètes, docteurs, apôtres, missionnaires, mais qui ont su appliquer cette règle du Seigneur. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, de toute ton âme, et ton prochain comme toi-même. Des gens qui ont travaillé dans les coulisses simplement. Et je vous assure, quand on va arriver au ciel, on va se rendre compte que ces gens ils vont être plus couronnés que nous. On sera étonné. Et le Seigneur dira, ils n'ont jamais été couronnés au monde, ils n'ont jamais traîné de foule après eux, ils n'ont jamais été acclamés, mais ils ont été obéissants. Nos églises ont échoué. On a presque fini ce soir. On a échoué. On a fait toutes sortes de séminaires, des campagnes, des machins. On a pris des bâtiments, on a fait tout ce que l'on... Ça a donné quoi à la fin? Ça a donné des gens brisés, des enfants brisés, des couples brisés, des gens qui souffrent, des enfants, des familles divisées. Et ça a donné, ça a produit rien de bon. Je crois qu'on doit appliquer la parole qui dit que les premiers chrétiens, notamment, sont organisés aussi pour venir en aide aux gens qui étaient dans les besoins. Et on encourage, on n'encourage pas la passivité, on n'encourage pas la mendicité, au contraire, on donne à ceux qui sont dans les besoins pour qu'à leur tour, là on leur aide aussi, hein, on les aide, à être autonomes, à se prendre en charge. C'est ça l'objectif. On aide, en même temps on dit aux gens, on ne va pas vous assister à vie. Non, ça c'est pas l'église. On va vous aider et on va vous donner les moyens, les outils pour que vous soyez capable de subvenir à vos propres besoins. Au lieu de donner du poisson aux gens continuellement, ben on leur apprend comment pêcher. Voilà. On vous apprend à pêcher et on vous paye, on vous achète un hameçon. Allez, et maintenant travaillez et à votre tour, faites la même chose pour les autres. C'est ça l'église. Aimer ses enfants, aimer son mari, aimer sa femme, aimer c'est ne pas tromper l'autre, aimer c'est anticiper les réactions de l'autre. L'amour agapé c'est l'amour le plus important, c'est pas l'amour éros, c'est l'amour érotique, l'amour physique, l'amour qui attire, on est attiré physiquement par une femme, par un homme, c'est pas cet amour-là, parce qu'une fois qu'on est attiré physiquement, une fois qu'on a le physique, une fois qu'on a le sexe, après on va vouloir autre chose. Ça c'est pas un amour, c'est pas le vrai amour. Aimer selon Dieu, c'est je t'aime malgré moi. Tu sais pourquoi je t'aime malgré moi? Parce que cet amour dont je me sers pour t'aimer, c'est pas un amour qui vient de moi. C'est Dieu qui t'a montré cet amour-là. Celui qui n'aime pas son prochain, pas aimé, n'a pas connu Dieu, car Dieu est charité, réellement. L'amour agapé.
Et cet amour est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est-à-dire, je veux t'aimer, non parce que tu es entier comme moi, affilié comme moi, n'est-ce pas? Mais je veux t'aimer parce que tu es plus fort que moi. Voilà. Et aimer, c'est aussi pardonner. C'est pas que nous fassions, c'est vrai. Alors imaginez un Bordeaux pour un Martinique ici. Si les chrétiens ont posé le message par rapport à l'amour de la charité véritable et qu'ils commencent à s'organiser, à se dire, waouh, effectivement, ça fait des années que je suis converti. Là, qu'on se battait pour savoir si on parlait la langue ou pas, si j'avais le parler la langue ou pas, maintenant j'ai compris qu'en fait, je dois être dans l'œuvre du Seigneur, je dois être dans l'œuvre du Seigneur. Et je ne vais pas être l'activiste, c'est vrai, mais je dois répondre à l'appel du Seigneur. Je dois penser à mon Dieu d'abord. Je dois aimer mon Dieu plus que le micro. Je dois aimer mon Dieu plus que le parler en langue. Je dois aimer mon Dieu plus que la délivrance, plus que le ministère. Je dois aimer mon Dieu plus que l'église locale. Je dois aimer Dieu plus que moi. Plus que ma femme, mes enfants. Et ensuite, une fois que j'ai aimé Dieu ainsi parce qu'il m'a donné cet amour, eh bien, avant d'aimer mon voisin, je dois d'abord aimer mes enfants. Ma femme, ton mari. Ah oui? Nos parents. Ça veut dire qu'en tant que chrétien, vos parents qui sont âgés, comme la parole le dit, nous sommes obligés, si nous aimons Dieu véritablement, d'aller voir nos parents pour les assister. Maman, papa, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Allez, on va balayer, repose-toi, on va faire le ménage, on va faire ce qu'il y a à faire. Aimer Dieu, c'est, on vient au programme comme ça, comme aujourd'hui, au lieu de vouloir le micro, on prend le balai, on va balayer. On dit, mais le frère, il est zélé, hein. Il balaye, il range les chaises. Ah, mais c'est bien ça. Il installe tout ce qui est installé. Ah, mais sœur, c'est bien. Mais quand on vient dans les assemblées, je vous assure, c'est une impression terrible. Hein. Je prêche lors des réunions, j'en ai parlé au frère en Valou, je leur dis, celui-là, celui-là, tout ce qui veut, c'est le micro pour parler. Et ça n'a pas raté. Des gens, en Guadeloupe, sont allés partout voir Jérémy pour dire ah, ben on veut avoir le micro pour présenter un peu tout ça. Je dis à Jérémy, si quelqu'un demande le micro, c'est qu'il est tombé à l'orgueil. Parce qu'un enfant de Dieu humble, il attend que les gens lui disent viens parler. C'est important. Je lui dis, ils ne vont pas parler. Il vient me voir encore, il dit non, mais il y a un autre ici, il dit, non, je veux, c'est pas une église ici. C'est une réunion haute, c'est pas une église. On dit les uns les autres, il dit, va chanter, parce qu'on se connaît. Qu'ils aillent d'abord nourrir les pauvres, après on va voir. Oh Seigneur, sauve-nous. Vous savez, beaucoup de païens ne veulent pas prier, beaucoup de païens disent, on a fait honte à Dieu qui nous pardonne. On a fait honte à Dieu. On a laissé les pauvres être nourris par qui? L'armée du salut. Emmaüs, secours populaire, catholique, je ne sais pas quoi. Et les évangéliques font quoi? Ah non, les évangéliques, eux,
fantôme qui guérit. L'homme qui guérit ou c'est Jésus qui guérit? Le nom de Jésus, on ne le voit même pas. On voit le nom de l'homme de Dieu. Apôtre internationalement connu. Intergalactique. Photocravate. Avec la femme à côté de Jézabel. L'église devient une entreprise de papa et de maman. Et vous, des bébés à vie. 15 ans, on est toujours bébé, toujours biberon. C'est comme vous voyez un monsieur de 30 ans, il accouche avec un biberon. Je suis convaincu que si vous sortez à 3h du matin ici dans la rue de Fort-de-France, et que vous rencontrez un Antillais, un Martiniquais de 30 ans avec un biberon, avec une couche, je suis convaincu que vous êtes l'homme le plus spirituel, vous allez courir. Même faux. Voilà. Ça arrive évidemment, un gros bébé. Et c'est ce que beaucoup de chrétiens sont. On dit, frère Joie, j'attends que le frère Joie arrive, parce que j'ai un mal dedans, il va prier pour moi. Ça fait à chaque fois que je viens, c'est la même sœur. Ça a commencé hier, hein, le programme. Elle vient de voir à la fin. Un prend de temps. Aujourd'hui, on va voir la fin, la même sœur. Non, c'est plus la dent gauche, c'est la droite, mais là, c'est l'œil droit. Ok, on va prier encore. Et bien, après, demain, vous allez voir ça, on se l'entrée gauche. Vous allez voir, dimanche, on gagne un jour, viens là, elle va dire non, c'est parce qu'elle va prier, il va prier pour tout le corps. Ce sont des bouffes ministères. Tu es essoré, essoré, tu repars fatigué. Ça, c'est pas l'amour. C'est de l'exploitation. Vous nous exploitez. Là, je pars. Il reste une demi-heure. Vous êtes là. Parce que moi, je pensais qu'il allait secouer la main, tout ça. Mais... Nous tuons, nous, les prédicateurs. Parce qu'il n'y a pas l'amour. Aimer. C'est aussi comprendre que l'autre peut être fatigué. Amen. Vous comprenez? On dit aux gens, on est fatigué, mais c'est juste 5 minutes. Oui, mais si tu prends 5 minutes, multiplié par 100, ils seront en même temps. Ah. Alléluia! Il y a des gens qui appellent. Le frère Chorin est là? On dit non, Jésus est là. Est-ce que vous êtes sûr qu'il sera là? Ne jamais me pose la question, est-ce que vous êtes sûr que Jésus sera là? Ça, c'est pas un problème, heureusement que Dieu me bénisse parce que je sais devenir riche ici à vos Antilles, je vous assure. Ah oui, j'aurais ma dette privée, payée par les Antillais, mes frères que j'aime beaucoup. Je vous assure. Oh Seigneur, sauve-nous. On vous aime et on veut vous arracher de toutes ces choses-là. Au nom de Yeshua. Alléluia. Vous aimez le Seigneur, n'est-ce pas? Si on regarde la liste, beaucoup d'estomacs ici. Une femme sur beaucoup d'estomacs, de brûlures d'estomacs, tout ça. Là. Le Seigneur est en train de guérir ton estomac, tu vas pouvoir manger normalement dans les choux. Seigneur, sauve-nous. Guéris-nous. Ceux qui ont suivi le programme du 23 décembre, la veille qu'on a eu, levez-le un peu. Vous avez vu le monde qui avait plus de 5000 personnes le 23. Eh bien. Le frère a pris les offrandes, il l'a mis sur son compte, il est parti, il l'a mis sur le compte de la salle, je lui ai pas pris 1 euro. On n'est pas là pour l'argent. Nous voulons dire aux frères et sœurs que Jésus-Christ est en vie. Nous voulons dire aux frères et sœurs qu'il faut se préparer. Vous savez, tout ce que l'on peut faire, c'est quoi? C'est aimer. Vous savez, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Hein? Vous savez, si vous avez 10 euros que vous donnez à quelqu'un qui a des besoins, vous savez, la joie que ça procure, quand on rend. On fait plaisir aux gens, quand on rend heureux les gens, ben on est forcément béni, on est forcément heureux. Vous voyez? C'est important, regardez, vous conduisez comme ça, et vous arrivez sur un carrefour, et vous cédez le passage à quelqu'un qui n'est pas forcément pris la priorité. Qu'est-ce que vous attendez ensuite, honnêtement? Que la personne vous fasse signe, n'est-ce pas? Ah merci, si la personne ne fait rien, voilà. Chrétien ou pas, honnêtement, moi, je vous assure, je vous dis, c'est impossible. Je vous dis. C'est aider, quand on aide les autres, on se fait du bien à soi-même. Donc commençons à aider les autres. Faites à manger, faites du riz à pain. Faites ça, préparez ça. Vous faites du colombo, vous prenez vos casseroles là, hein, vous voulez vous acheter des assiettes, vous sortez en tant que famille, en tant que seule, femme seule ou homme seul, je ne sais pas. Vous sortez un dimanche comme ça, vous dites aujourd'hui, je ne veux pas dans un bâtiment d'église. Aujourd'hui, je veux faire une action pour mon Dieu. Vous allez voir un pauvre, un SDF, un drogué, un fou,
Vous dansez avec. Bonjour, bonjour, ça va? Tenez. Parlons un peu. Je vous assure, si vous commencez à agir avec un bon comme ça, vous n'allez plus accepter de vous enfermer dans des prisons qu'on appelle l'église. On encourage les initiatives qui viennent du Seigneur, des projets. Une sœur, j'ai eu une sœur hier soir, enfin ce matin, pardon, elle me dit là, je suis au Congo. Son neveu est un grand footballeur, dans une grande équipe, un grand club en Europe. Et elle dit, voilà, on est parti, on va construire des orphelinats, pas un, mais plusieurs orphelinats. On va construire des centres pour des jeunes, on va construire des écoles. Je suis venu, je vais, n'est-ce pas, récupérer, je vais aller au bord, sortir les tracteurs qu'on a commandés. Elle parle des proches, je dis, Seigneur, mais t'as tout compris, là, quoi, 27 ans, je dis, mais c'est ça. Elle me dit, c'est une de leurs sœurs qui vient en Hollande, elle dit, on n'avait pas compris l'évangile. J'écoutais quand elle parlait, je dis, Seigneur, c'est pas possible. Elle dit, là-bas en Europe, on se bat pour les titres, on se bat entre jeunes, qui prêchent le mieux, qui chantent le mieux, qui a plus de temps, qui parle en langue, qui a la prophétie, qui fait quoi, qui fait ci, qui fait... Et elle dit, mais là, j'ai compris que le plus important, c'est ma relation avec le Seigneur, mon intimité avec le Seigneur, et aider mon prochain. S'il vous plaît, tous au fond, aider mon prochain. Aider mon prochain. Et c'est ce que je tente de faire. Elle dit, je marche avec mon Dieu, je suis mon Dieu, et je me laisse guider par le Seigneur, et Dieu m'enseigne. Beaucoup ici ont failli être détruits par des frères et sœurs. Vous savez pourquoi? Ils viennent, ils vous aident, ils vous encensent, ils vous glorifient. Vous partez, on vous tue, on vous poignarde et vous perdez la vision. Maintenant, il y en a qui se sont fait, que Dieu a restauré, gloire à Dieu. Mais ne commencez pas, ne recommencez pas, ne commettez pas la même erreur. Vous les jeunes, vous avez l'appel du Seigneur, ne vous précipitez pas au micro. Demandez un conseil. C'est un conseil. J'en ai vu des milliers tomber. Derrière moi, il y a plus de 30 ans de vie chrétienne. Ma simplicité, votre simplicité est comme un piège pour beaucoup. Ils se disent, bon ben, on est pareil. On est pareil parce que nous avons l'amour de Dieu. Nous sommes élus de Dieu pareillement. On a pris le même char. Soyons humbles. Apprenons. Écoutons. Restons les choses. Aimer, l'amour, c'est aussi cela. De manière globale. Le chemin est long. Que le Seigneur se souvienne de chacun de nous. Et je crois qu'on va y arriver grâce au Seigneur. Aimer, c'est aussi mourir. C'est pas toujours facile de mourir. Mourir à soi-même, mourir à ses propres projets, mourir à ses propres besoins. Et je me dis à chaque fois, Seigneur, le jour où je mourrai, j'aimerais bien, si tu ne viens pas entre temps, avant de partir, j'aimerais bien partir avec le sourire en me disant, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Quelle belle parole que Paul a prononcée. Il n'est pas encore trop tard pour toi, pour nous. On peut se rattraper. On peut travailler autrement. On peut avancer autrement. Et choisissez aussi les frères et sœurs, les gens avec qui vous allez marcher ensemble. C'est avec ces hommes et ces femmes que vous allez marquer votre génération. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent donner leur cœur à Dieu ce soir? Des gens qui veulent le baptême? Si vous êtes là, vous pouvez simplement lever vos mains. Merci pour la main levée. Qui veut venir, s'il te plaît? Merci. Quelqu'un d'autre qui veut recevoir le baptême, donner sa vie au Seigneur de l'Église de Nazareth, au Seigneur le Sauveur? Donc, c'est la première fois que tu viens ce soir. Qui t'a invité?
tu n'es pas encore fatigué. Son œil gauche commence à avoir un début de cataracte. C'est ça que le Seigneur veut aussi guérir l'œil gauche. C'est le frère là-bas. Ok, c'est bon. On va penser. Il y a ce chant qui dit je veux. Fa!
ses oreilles, quelque chose qui veut la détruire. Sors. Quitte son corps là, quitte son corps au nom de Jésus de Nazareth. Come on,
Il va t'éclairer lui-même, il va t'enseigner lui-même. Et t'as tellement été déçu, tellement été, n'est-ce pas, déçu des hommes. Ça te dit qu'il va, n'est-ce pas, te justifier. Il te donne le psaume 23. Il dresse une table devant toi, en face de tes adversaires. Il va onduler ta tête et ta coupe va déborder. Ça me dit de te dire qu'il est ton père, qu'il connaît, qu'il sait. Il lui dit, oui, je sais, je connais. Et ça te dit, tu vas voir la rétribution des méchants. Il va fermer la bouche de tes ennemis et tu seras justifié au nom de Yeshua, le Seigneur et le Sauveur. Touchez là où vous avez mal, là, toutes les douleurs, tout ça, là vous avez mal, voilà, les maladies, là, tout ça, mal de dos, tout ça, touchez là où vous avez mal, au nom de Yeshua, c'est fini, c'est réglé, au nom de Yeshua, c'est réglé. Et là, il y a une onction sur elle, là, oh, la gloire, la grâce est forte sur elle, oh, c'est vrai, magnifique Seigneur, mon Dieu, voilà, qui a été guéri ce soir, là, au nom de Jésus, voilà. Si vous avez la guérison, la tête, ça dévore la tête là. Ouais. Qui a été guéri? Là, ceux qui sont guéris, vous venez à comment on finit par là. Ah! Au nom de Jésus, non, d'accord. Fini, c'est réglé. Au nom de Jésus. Alléluia, gloire à Dieu. Ça fait mal où? Depuis quand? Depuis le temps, quand je suis pas quelques mois. Là, depuis le temps aussi. Non. Ça fait une douleur au sein gauche depuis combien de temps? 3 mois. Et là, tu as une douleur. Gloire à Dieu. Dieu vous a béni. Magnifique Seigneur. Gloire à Dieu. Tu veux être guéri par le Seigneur ce soir? Tu veux être guéri ce soir? Tu avais mal au cou. Depuis combien de temps?
jambes, au nom de Jésus-Christ. Tu peux les bouger, les jambes, tu peux les bouger. Oui, tu peux les bouger. Voilà. Ça va mieux? Tu veux baptiser? Oui. Gloire à Dieu, magnifique Seigneur. Tu dis quoi? Tu disais quoi? Ah, les jambes, ok. Qui d'autre? Gloire à Dieu, Seigneur, merci pour ça. Et la gloire à Dieu, Seigneur. Le Seigneur est magnifique. Ça va? Hein? Les oreilles? Oui. À la seconde. Oui. Tu entends mieux? T'es sûr? Amen. Amen. Voilà, on va recevoir béni. On doit respecter le jour au cas qui vous...